Salut tout le monde! Salut à tous, on espère que vous allez bien! Aujourd'hui, vidéo spéciale, on se retrouve pour une vidéo où je vais coacher Antoine pour un plat italien emblématique, le risotto. C'est un plat qui est classique, simple, mais à la fois technique, rapide à faire, et je vais montrer à Antoine toutes les étapes à respecter pour faire un très bon risotto. Toujours en partenariat avec la brasserie Caco qui nous a fourni une super bière, une bière blonde bio du territoire d'Aix-les-Bains. Incroyable cette petite bière! Franchement, elle va nous servir tout le long de la recette. Je te laisse me dire les différents éléments qu'on a. Oui, alors du coup, pour cette recette, on va avoir besoin de 250 g de riz à risotto type carnaroli qu'on va utiliser du coup pour 4 personnes. On aura besoin également de 100 g de pecorino râpé. On aura besoin de poivre, un peu de beurre et de pecorino. Donc ça sera pour la finition de notre risotto pour venir le nacrer à la fin. Du sel et 1 litre de bouillon du coup pour 250 g de riz à risotto. Très bien, ok. Alors maintenant, on passe en cuisine, je prends la caméra, Antoine, c'est à toi. Eh ben c'est parti, on y va. Retour en cuisson, donc voilà, là on a effectué notre petite réduction de bière. Donc une réduction de bière c'est quoi? Tout simplement, vous venez mettre de la bière et vous faites réduire. D'abord vous faites première ébullition, dès qu'on a une ébullition, toute la mousse de la bière va monter. Et ensuite vous mettez sur feu doux et vous l'oubliez, faut que ça réduise, ça réduise, ça réduise. Donc là, on va finir la réduction. Une sorte de petit nappage, un petit sirop. Exactement, voilà, et là on finit la réduction pendant que Antoine va nous préparer le nacrage du riz. Tiens, je prends la sauteuse. Ok, donc là, premièrement, sans matière grasse, tu vas venir faire du coup torréfier tes grains de riz directement ici. Alors pourquoi on vient faire ça? On vient torréfier nos grains de riz pour les rendre déjà un peu plus translucides. On a du coup, on va pouvoir assaisonner directement de sel et de poivre notre grain de riz parce que c'est là, lors de la torréfaction. Ah, attention, on va attendre que ce soit bien chaud. Là, c'est pas encore assez chaud. Ça va nous permettre du coup, on va assaisonner notre riz avant. Pourquoi? Parce que c'est là en fait où le grain de riz va prendre toutes ses saveurs. Et le fait de torréfier notre riz, ça va nous permettre en fait de pas casser le grain pour qu'il reste pareil même après cuisson, donc on ait des beaux grains. Donc là, tu peux y aller, on y va. Hop, voilà. Et on va venir faire chanter le risotto. Donc là, le secret c'est, hop, ça je le récupère. Voilà, sel poivre. Hop, et là, attention rapidement parce que là, il ne faut pas que tes grains de riz collent ou s'attachent en bas. On a la louche. Le bouillon, on va le faire venir chauffer aussi. Pourquoi? On va éviter le choc thermique. Pour le risotto, c'est mieux. Hop, voilà, vite, tu vois là, tu as quelques grains qui commencent à brûler. Donc là, hop, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ok. Continue énergétiquement. Hop, on n'oublie pas la bière à propos des glacés. Je la déglace là. Continue, continue, fais sauter un peu plus énergétiquement. Ok, ok, ok. Ok, là on va baisser un peu le feu. Ouais, je l'avais mis à fond le feu. Allumer le feu toi, Johnny Hallyday un peu, non? Ok, viens poser et tu viens déglacer avec toute la bière que tu as là-dedans. Allez, vas-y, 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 vas-y. Parfait, voilà, voilà. Maintenant, tu continues. Je fais quoi? Tu continues, là tu viens remuer. Tu vois, tu as une petite cuillère ici. Donc voilà, c'est mieux de venir faire directement à la main comme ceci. Là, okay. Notre bouillon commence à chauffer. Donc là, on vient tout simplement faire réduire le bière en fait. Parce que notre bière, en chauffant en fait, tous les vapeurs d'alcool, du coup, bah, tout va s'évaporer. On n'aura plus d'alcool, mais on aura juste en fait la bière. On va avoir un peu d'acidité, on va dire, et d'amertume qui va venir directement dans notre risotto. Donc à la base, c'est avec du vin blanc. Nous, on fait avec de la bière pour rester dans le thème. Faites bien attention parce que vous voyez, moi j'avais mis trop fort le riz et on peut voir, il y a des petits grains de riz qui ont un peu cramé. C'est pas grave. C'est grave ou pas ça? Non, bah après, normalement c'est mieux d'éviter la coloration. Après là, c'est juste qu'on aura une torréfication un peu plus forte, donc un peu plus de goût. Si vous aimez un peu le goût grillé, bah c'est bien. Sinon, c'est bof quoi. Mais bon. Hop, notre réduction, vous voyez là, on a une belle texture sur la réduction. Hop, on vient éteindre. Et là, hop, vous voyez. Ok, là Antoine, tu viens directement mouiller à hauteur ton bouillon avec ton risotto. Ok. Et après tu viendras baisser ton feu, tu le mettras sur un feu moyen, donc à 5. Hop, donc encore une. Hop, parfait, et là directement. Je mets à 5. Tu mets à 5. Voilà, et c'est bien. Et là tu viens tout doucement. Hop, viens tout mélanger. Tu vois là, il faut que ces grains de riz. Hop, tu viens avec ta cuillère en bois. Voilà.
Difficile hein, de filmer en même temps, raconter. C'est hein. difficile, hein, c'est difficile, mais on aime le risque. Ok, donc là, pendant combien de temps on laisse cuire et on arrose tous les combien de temps à peu près? Alors, en fait, vous allez voir que quand vous allez rajouter du bouillon là-dedans, ouais. ça va réduire. Quand ça réduit, vous rajoutez en fait, il faut compléter. Et après, vous voyez, c'est à la texture aussi. Vous allez voir que c'est directement à la texture. Il faut réussir à avoir quelque chose donc, de bien crémeux à la fin. Donc, il ne faut pas que ça soit trop sec non plus. Donc là, on continue. Et ça va réduire tout seul. Quand ça réduira, hop, on reprendra un peu d'ici pour le mettre là directement. Généralement, combien de temps de cuisson pour un risotto? Pour un risotto, on va compter, bah, ça va dépendre de votre casserole, de temps de chauffe, de votre bouillon s'il est chaud ou pas. Mais on va compter entre 10 et 15 minutes de cuisson. Ok, bon, on revient tout à l'heure en gros. Ouais, voilà. Ok, allez. 10 minutes se sont écoulées, donc là vous voyez, il me reste un peu de liquide, un peu de bouillon. Donc là, il faut quand même avoir quelque chose d'assez crémeux à la cuisson. Et là maintenant, Antoine, ouais. je te laisse cet élément-là et ton beurre. Donc tu commences par ton beurre. Ok, donc là je mets le beurre, voilà. Comme ça. Tu mets ton beurre. Hop, ok. Ok, tu mets ton beurre. Ouais. Tu viens commencer un petit peu à amalgamer le tout. Voilà, donc mouvement du risotto, voilà. C'est ça, vers l'avant, comme si on venait faire sauter. Comme ça? Voilà, tu continues, on vient faire fondre le beurre. Oula. Ok, continue. J'ai rajouté ton pecorino. J'en mets un peu? Tu mets tout. Je mets tout? Tu mets tout. Et là. Après, voilà, le risotto, ça dépend comme vous le faites. Il y en a qui vont venir rajouter du mascarpone dedans, qui vont venir rajouter de la crème, ce que vous voulez. Nous, on fait un risotto vraiment classique. Je refais le même mouvement? Là, tu refais ton même mouvement. Voilà. Voilà, tu continues comme ça. Oula. Voilà, tu continues. Hop. Tu veux faire? Hop, attends, je vais prendre le relais. Vas-y, attends, je prends la caméra. Vas-y. Hop, tu y vas tout doucement. Et là, vous voyez, notre risotto, il commence à... Vous voyez, la crème, comme si, vous voyez, le crémeux du risotto, en fait, qu'on vient travailler tout doucement bah, avec l'amidon du riz, notre bouillon et la graisse du beurre et notre fromage. Ouais, une main. C'est technique, hein ouais, c'est technique, ouais. Donc voilà, le risotto est prêt. Donc là, on vient goûter. Allez, goûte, dis-moi ce que tu en penses. Ok. Et ensuite, on va venir rectifier l'assaisonnement. Mmh. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, nickel. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, on va se mettre. On va passer au dressage et on reprend tout de suite au dressage. Ok, du coup, maintenant, on passe au dressage. Antoine, donc le risotto. Je le montre à la caméra. Allez, encore une nouvelle fois. Hop, avec ce magnifique produit. Voilà, l'Ex Riviera, magnifique. Très bien. Donc, du coup, ce que je fais, je mets. Tu viens mettre ton risotto directement là-dedans et ensuite, tu viens taper en bas. Voilà. Tac. On fait ça propre, on fait ça bien. J'en mets 2 cuillères. Ouais, voilà, par exemple. Et là? Et là, tu viens directement. Je tape. Voilà, tu viens le faire étaler tranquillement. Change de main. Tu joues du djembé en clap, toi, ou pas? Ouais, un peu. Ouais, ça se voit. Ah. Ça se voit. Attends, petit grain, il dégage. Ça, on fait pas en cuisine? Non, ça, c'est. Je vais rien faire. Donc là, maintenant. Je remets. Un peu de pecorino sur le dessus. D'accord. Tac. Un peu. Le pecorino. Tac, 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 tac. Ça va comme ça, chef? Continue. On est gourmand. Hein? Ok. Parfait. Ok. Alors maintenant, tu viens prendre derrière toi, du coup, la réduction de bière. D'accord. Avec ta cuillère. Ouais, avec ta cuillère. Ma cuillère. Hop, là, tu viens faire descendre, du coup, la réduction. Petite réduction. Je la fais descendre. Hop, tu prends et après, bah, après tu viens directement avec ta cuillère et tu fais voilà, tu nappes. Hop, là, on a vraiment comme un caramel de bière, voilà. Viens directement ici. On va le faire devant la caméra. Ah, je refais? Ouais, me remets-en un petit peu pour que les gens le voient. Hop.
Et ça, c'est de la réduction de bière. Et ça va venir exploser en bouche. Ok. Parfait. Ensuite, les petites fleurs de déco. Donc, c'est de la Marius Anda. Pour ceux qui veulent qui vont demander. Voilà. Voilà. Et tu viens avec un petit peu de poivre. Tu en mets sur le dessus. Un petit peu de poivre, voilà. Voilà. Parfait. Ok, tiens, vas-y, je te laisse montrer l'assiette. Et voilà le risotto à la bière, avec la réduction de bière. Ok, bon bah nickel. On goûte ? On goûte. Ok, donc c'est l'heure du verdict, petite dégustation. Ok, et bah allez, on va voir ça. Le risotto de Tonio sous les ordres de Chef Giuseppe. Attention. Ah oui. Tu vois la bière derrière là ? Ah, on sent bien. On sent bien le houblon. Ouais, elle vient contrebalancer. Le four avec le pecorino, le risotto. Ah ouais. Là, t'as une belle texture. Ouais, il est bien crémeux. C'est bien ce qu'on recherche sur un risotto. Il est resté bien al dente. Parce qu'il ne faut pas que le risotto il soit trop cuit. Il faut quand même qu'il y ait du croquant en bouche, qu'il y ait de la texture. Sinon, après, bah, c'est pas du risotto. Mmh. Non, très très bon. Eh ben, félicitations Antoine. C'est un beau risotto. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez la première vidéo qui est sortie la semaine dernière sur le hamburger. Yes. On espère que ça vous a plu. Là, la petite deuxième recette pour le risotto. Et la semaine prochaine, on vous prépare du lourd aussi autour de la Saint-Jacques. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Vous verrez la prochaine vidéo. Allez, abonnez-vous. Abonnez-vous et lâchez le petit pouce bleu. À la prochaine. Bisous, bisous. Ciao.